fait, vu que je suis pas mal tout seul, je m'arrange pour trouver des outils pour m'aider, des outils extérieurs à moi qui vont faire en sorte que je serai pas tout seul à modeler ma pièce. Donc, oui, j'utilise beaucoup la vidéo parce que ça me permet d'avoir un œil extérieur qui est quand même le mien. Donc, ça me permet d'avoir quand même un œil sur ce que je fais. Puis, ça m'aide à faire des choix, mais aussi à faire des découvertes souvent. Et je me permets aussi, là, ma répétition aujourd'hui, tu sais, vu que le processus est quand même plus près d'être complet, c'est moins de l'improvisation, bien que j'en ai quand même dans la pièce. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je pars, j'improvise simplement, je le filme, puis comme ça, des fois, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait n'importe quoi, puis finalement, quand je regarde, je me dis, mon Dieu, c'est le fun, j'ai développé quelque chose, puis je m'en étais pas rendu compte. Pour moi, comme j'essaie de me définir, je me rends compte que mes forces et mes faiblesses sont allées dans endroits différents de d'autres personnes, puisqu'on est tous différents, forcément. Puis je sens que je suis un peu plus dans ma tête, que souvent, je loue un studio, puis j'ai dansé quelques minutes à peine sur un 2-3 heures de répétition. Puis pourquoi j'ai loué un local d'abord? Mais dans le fond, j'arrive chez moi, puis je me dis, ouais, mais j'aurais pas pu créer chez moi de toute façon. Puis c'est pas juste parce que j'ai pas de place pour danser, mais on dirait que j'aurais pas eu assez de place pour penser. Comme si juste d'être dans un espace, le fait que l'espace soit grand, ça me laisse cette liberté-là de créer, de penser, de réfléchir. Je pense que c'était peut-être un peu plus par rapport à l'émerveillement au début. Mais je prends conscience que c'est pas nécessairement d'émerveiller les gens que j'ai envie, mais plus de leur parler. Donc oui, ce serait plus d'éveiller. Ouais, de rendre conscience que ce qu'on vit d'une certaine façon, c'est juste la vie. C'est bien de prendre le temps de faire attention aux détails, mais pas des détails. Ouais, quelque chose d'humain, quelque chose de... Sans que ça devienne individualiste, mais je pense qu'il y a une recherche très, très personnelle à faire pour chacun, pour garder cet émerveillement-là, mais de l'intérieur. Pas nécessairement s'émerveiller de grandes choses, mais être capable de s'émerveiller des petites choses. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu d'inspiration? Le livre? Oui. J'ai plusieurs objets qui sont sur scène avec moi, mais il y en a quelques-uns qui m'ont inspiré aussi hors scène. Et les deux, je me suis rendu compte aussi cette semaine qu'ils m'ont été inspirés par deux femmes, et ces deux femmes s'appellent Florence. Et le premier, c'est un livre d'Alexandre Jardin qui s'appelle Le Petit Sauvage. Et c'est ce livre, je pense, qui m'a fait réaliser que ma pièce n'était pas obligée d'avoir nécessairement une finalité, où était pas obligé de finir par une réponse à la question que je pose. Parce que... Quelle est cette question? Justement, où est votre naïveté? Okay. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne l'avez plus? C'est plus une prise d'inviter à la prise de conscience. Puis l'autre, c'est... C'est une photo qui date de 1958. C'est ma grand-maman qui s'appelle Florence. Et puis, c'est quelqu'un qui représente pour moi cet état-là de... C'était pas une personne naïve, mais c'était quelqu'un qui est en mesure de s'émerveiller au quotidien de petites choses aussi banales qu'une couleur ou
pas avoir l'air romantique, là, mais un rayon de soleil, là, tu sais, tout simplement. C'est pas le métier d'artiste, ça, c'est un merveilleux. Oui, mais je crois que oui. Donc, d'une certaine façon, en plus, ce spectacle, c'est le dernier qu'elle est venue voir. Alors, c'est très significatif pour moi parce que, justement, ça la représente un peu. C'est un peu pour elle aussi que je m'exécute sur scène. Elle est venue à Danse plus souvenir? Oui. En bas de la rue. Oui, oui. Tu es venue me voir. Alors, c'est cela.